toujours trouvé cette pièce bruyante. On a tellement vécu ici. L'état des lieux prendra du temps, t'es pas obligé de rester. Je sais pas quoi faire de cette toile. On peut pas la laisser là. Je suis sûre de rien, tu sais, Paul. Il fallait prendre une décision, je l'ai prise, c'est tout. Et qui te dit que t'as pris la bonne? Je sais pas. J'avais envie de bousculer les choses. Je comprends pas. Moi non plus, ça viendra avec le temps. Et je fais quoi en attendant que ça vienne? Appelle SOS Homme Seul. Sors. Rencontre des gens, amuse-toi. T'as l'air tout pâle. Et puis moi, je serai pas loin. C'est pas normal ce qui nous arrive. La vie ne l'est pas. T'as pas autre chose comme réponse? J'en peux plus de rester fiché. C'est pas un peu radical comme solution? Tu me manques, tu sais. Je crois que j'ai besoin de pouvoir choisir mon camembert toute seule. Tu crois que tu as besoin de pouvoir choisir ton camembert toute seule? Je crois, oui. Mais tu n'en es pas sûre. C'est compliqué tout ça. Ouais. Le camembert nous perdra. Ça va aller. C'est à quelle heure l'état des lieux? Dans un quart d'heure. Tu veux que je reste? Non. Ça ira. Je te laisse alors. Si tu veux. Dis-leur que je viendrai chercher la toile demain. Oui? Tu sais, j'ai jamais vraiment su choisir le vin. Je veux dire, pour aller avec le fromage. Tu me dis ça quand je m'en vais? Non, non. J'ai rien dit. Je suis désolée, je... Pardon. Je fais pas exprès. Appelle-moi si t'as besoin. Bonjour. Bonjour. Je suis un petit peu en avance. Vous êtes prête pour l'état des lieux?
Je suis pas sûre. Non, ça va pas être possible. Non, vous comprenez, j'ai une seconde. Oui? T'as le temps de prendre un café? Oui. Si je te laisse choisir le vin, tu me laisses choisir le fromage? Même le pain, si tu veux. À tout de suite. On peut y aller? On y va. De toute façon, il était trop bruyant, cet appartement. Bon, la moquette est de très mauvaise qualité. Oui, j'arrive. Les prises là et là ne fonctionnent pas. L'électricité n'est pas aux normes. Je me demande si c'est légal de louer un appartement comme celui-ci. Bon, là, la peinture a été un petit peu abîmée. D'accord. Et vu la taille du couloir, il est impossible d'y faire passer un meuble sans toucher les murs. C'est sûr.